C'est un son qu'on entendait autrefois dans les alpages. Aujourd'hui, c'est au cœur de la Croix-Rousse qu'il résonne de nouveau dans cet atelier d'ébéniste. Alexandre Jousse, musicien professionnel, a adopté le cor des Alpes il y a 14 ans, un instrument centenaire, très utile au berger des Alpes. Le cor des Alpes servait autrefois à communiquer de montagne en montagne. Il servait à donner des messages, principalement des dangers, le loup, les orages. Et puis maintenant, c'est vraiment un instrument de musique. On s'en sert vraiment pour faire des concerts. Car malgré son apparence plutôt simple, cet instrument long de 3,64 m réserve des trésors de créativité. Alors on peut faire 16 notes avec le cor des Alpes. On n'a pas de coulisses, on n'a pas de pistons, on n'a pas de palette. Et on fait donc toutes les notes se font à la bouche. Des cors comme celui-ci, Sandro Faita, ébéniste, est l'un des derniers à en fabriquer en France. Et le carnet de commandes est toujours plein. Cet ancien musicien en vend une quarantaine chaque année, principalement à des écoles de musique. Les circuits même professionnels, enseignants des conservatoires par exemple, rééquipent ou équipent les conservatoires avec des cors des Alpes pour apporter justement une pluralité, pour apporter un regard un petit peu différent. C'est très attractif pour les enfants, ça plaît beaucoup dans les concerts, ça plaît beaucoup dans les auditions de classe d'instruments. Et si les méthodes de conception ont évolué depuis les débuts ? Les bergers, eux, bah, ils fabriquaient ça un petit peu comme ils pouvaient, en trouvant des arbres qui poussaient à flanc de collines et qui étaient tordus pour avoir la forme qu'on a ici, la forme du pavillon. Aujourd'hui, l'instrument est toujours poncé à la main avec la plus grande précision. Oui. Pour chaque pièce, comptez entre 80 et 100 heures de travail. Des cors qui s'exportent dans le monde entier jusqu'en Corée. Pour vous en procurer un, il faudra débourser entre 2 600 et 3 000 euros.